Salut tout le monde, c'est Sifanao, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Minecraft en solo The Aether. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque je pense que nous allons affronter un boss dans cet épisode, le second, qui se nomme Dante, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je sais comment l'invoquer, je suis en revanche pas très sûr de pouvoir le faire tout de suite, je vais peut-être devoir aller chercher un petit peu ce qui me manque. Oui. Alors, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, qui d'ailleurs a complètement fait le buzz entre guillemets sur ma chaîne, alors que c'était pas du tout le but, mais il y a eu vraiment beaucoup de réactions. Vous savez, c'était par rapport à mon mini coup de gueule, on va dire, par rapport à Fallen Kingdoms. Je crois que j'ai reçu quelque chose comme 10 000 commentaires pour environ entre 500 et 1 000 habituellement. Voilà, 10 000 commentaires, c'est à peu près ce que j'ai sur mes lives, donc c'était vraiment un truc de dingue et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir autant de réactions et je vous en remercie vraiment du fond du cœur en tout cas. Je vais pas refaire un épisode où je vais vous parler de tout ça, donc aujourd'hui on va essayer d'avancer un petit peu quand même. Je suis allé miner, comme je vous avais dit, et j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé? L'améthyste, j'ai trouvé du topaz, j'ai trouvé pas mal de rubis, j'ai trouvé du saphir. Et puis, je crois que c'est déjà pas mal, hein. L'améthyste, non, non, non. Ouais, voilà. Donc, on va essayer de se faire un meilleur stuff. Alors, pour ça, on a déjà la Ruby Sword, mais on va essayer de se faire quelque chose du genre un pantalon de rubis. Voilà. À la place du Topaz Leggings. Voilà, nickel. Et on va se faire, à la place du Diamond Chestplate, on va se faire un Saphir Chestplate. Saphir Plate. Voilà. Et donc là, on a complètement la classe. En plus, on a notre méga épée qui se trouve là-dedans, mais on va pas tout de suite la prendre. La divine essence, on va la mettre à l'abri là-dedans. Et je vais avoir besoin de ma pioche en diamant qui se trouve ici. Car je pense qu'on va devoir aller chercher un petit peu de psy. Je suis pas sûr qu'il m'en reste. On va prendre ça. Au cas où. Et on est parti. Alors. Aujourd'hui, on va sûrement affronter un boss, comme je vous l'ai dit, un boss qui a l'air assez compliqué. Mais j'ai franchement un meilleur équipement que la dernière fois, et puis surtout j'ai une épée qui fait vachement mal. Alors j'ai essayé de taper la fameuse commande Game Rule Keep Inventory True, mais je n'ai pas la permission, puisque certains m'avaient dit vas-y rentre là pour le boss et tout. Mais bon, voilà, j'ai voulu tester, ça ne marche pas, donc tant pis, on le fera à la loyale. Et celui-ci, si également il faut bah, passer 10 ans dessus et s'acharner comme pour Nyx, bah, je le ferai, il n'y a pas de problème. Et puis bah voilà, la série approche gentiment de son terme. Parce que bah mine de rien, comme je vous l'avais dit, ça n'était pas une série qui aspirait à faire 30 épisodes. Une petite série d'une dizaine de vidéos, je pense, et finalement. Bah finalement voilà, on a pas mal avancé. Alors j'ai pas trop regardé pour tout ce qui était bâton de feu, etc. Je verrai peut-être à voir si j'ai de quoi miner. Peut-être, c'est peut-être avec de l'agata, je regarderai en revenant. Si je reviens, ce qui n'est pas sûr. Mais voilà, globalement, on a quand même. Grosso modo fait le tour du mode, grosso modo j'entends bien. Alors. Bon bah Alors attendez, c'était par où? C'était par où? Je crois que c'était par là. Ouais, c'était par là, la suite de la caverne. J'avais un petit peu bouché. Ouch! Ah oui, par contre, je fais mal. J'ai un petit peu des torches, ça devrait aller. On va aller chercher, rappelez-vous, au tout début. On était passé pas loin d'obsidienne. Parce qu'on en avait récolté. Et on va aller en prendre juste deux. Parce qu'on va avoir besoin d'obsidienne pour invoquer Nyx. Donc, on va pas se priver. Ici, c'était là où j'avais fait ma première base. Ça fait déjà un petit moment, mine de rien. Ça fait quoi? Un mois qu'on est sur cette série? Peut-être un tout petit peu moins, je sais plus. Mais ouais. C'est plutôt cool. Ah, vous inquiétez pas, j'entends un slime. Vous inquiétez pas, il y a une série qui viendra pour la remplacer, hein, ça y a pas de problème. Une série en duo. Alors, est-ce que je vous dis ou pas avec qui c'est? Je sais pas, j'hésite. Allez, je peux vous dire que ce sera une série en duo avec
quelqu'un qui n'est pas dans la coop team et avec qui je n'ai plus fait de vidéo depuis un sacré moment, je dirais depuis plus d'un an. Voilà. Voilà, vous avez deux trois petits indices. Mais a priori, c'est quasi sûr, on va faire une série ensemble très bientôt. Donc voilà, je pense que ça pourra remplacer tout ça tranquillement. Et puis voilà, Objectif 1 arrive également bientôt à son terme. Très bientôt même. Puisqu'il reste le live et l'épisode final. Et je sais pas encore ce qu'il y aura après. Très sincèrement, il y aura peut-être rien dans l'immédiat, mais. Ou peut-être autre chose. Peut-être le let's play en coop avec Cruxy dont je vous ai parlé, dont on vous a parlé si vous suivez Sky's Kingdom. Non, et puis voilà, globalement, je pense avoir à peu près fait le tour de l'actu. Ouais. Par contre, je vais pas être bête comme lors du dernier affrontement et je vais pas le générer ici, quoi. Par contre, je voudrais juste. Voilà, je vais avoir besoin de ça. Hop. Et on va aller faire le combat. Bah écoutez, on va le faire assez loin. Je pense. Par contre, j'ai été complètement stupide. Il faut que je repose le briquet parce que si je le perds, c'est catastrophique. Je pourrais plus rallumer le portail si jamais il venait à être détruit. Donc, il faut que j'aille reposer tout ça. Je suis pas passé par le même endroit que d'habitude. Zut. Voilà, nickel. Et puis bah, je pense que ça va le faire. Hein. On va espérer. De toute façon, il me faut la super épée. Je vais voir pour le bâton de feu également. Oh! J'ai eu chaud là pour le coup. Ça protège bien quand même l'armure que j'ai l'impression. Ça a l'air de bien protéger. On va prendre la divine essence sur nous également. Ah, j'aurais peut-être pas dû manger. Bon, je pense que ma vie redescendra d'ici là. La divine essence. Que vous m'avez dit, garde-la pour le boss et tout, ça peut être utile. Alors, vous m'avez pas dit ce que ça faisait, mais je vais effectivement la garder pour le boss, ça c'est clair. Et puis, on va bien voir ensemble. On va voir s'il n'y a pas moyen de se faire les fameux bâtons de feu. J'ai vu que c'était avec des minerais rouges, mais alors. J'ai pas su voir si c'était de l'agata ou du rubis. Et comme un abruti, j'ai utilisé tout mon rubis. Donc, on va voir ça très rapidement, de toute façon. Alors. Une Agatha Shawl, non. Non. Ah. Ça devait être avec le rubis. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. L'Obsi, je vais avoir besoin. Lightstone, je vais avoir besoin. Toc, toc, toc. On va ranger tout ce qui nous sert à rien. C'est quoi déjà qui me donnait pas mal de. Bon, tant pis. Hop. Hop. Ça on pose là, ça on pose là. Tout ça, on n'a pas besoin. Pioche en diams, on n'a pas besoin. Hop. Hop. On va s'organiser. J'ai pas moyen de me faire un arc. Zut. Bon, ça. C'est pas très grave. Hop, voilà. Ça se trouve, on va encore se faire défoncer au bout de 2 secondes. Ce que je n'espère pas quand même. Et la divine essence. Qui est ici. Allez! Nous sommes partis. Par contre, pour le coup, on va aller beaucoup plus loin. Mais on va retourner vers le spawn quand même. Parce que voilà, si je meurs. On va retourner vers le spawn. Mais on va partir de l'autre côté ensuite. Dans le doute. On va faire ça comme ça. Et puis, alors, ça, je vous le rappelle. Hein. C'est énorme ça. Et ça, je pense que ça peut bien l'amocher le boss. Si je reste à distance de lui et que je lui envoie ça, tout reste à voir comment se déplace ce boss en fait. Quelle est sa spécificité et comment. Il y a des poulpes qui sont morts ici. Et comment il se déplace? S'il se téléporte dans tous les sens. Ah, peut-être que l'épée fait mal. Hein. Je sais pas, on va voir. On va voir ça. Donc le portail est là-bas, parfait. Et nous, on va partir par là-bas. J'ai hâte, si ça se trouve, on va se faire dézinguer la gueule en 2 secondes. Ça me fait peur, je dois vous avouer. Comme on va peut-être
un peu mieux s'en sortir. Donc on va un peu mieux se préparer cette fois-ci, vous inquiétez pas. Tenez, ici ça a l'air d'être un beau terrain de jeu. Donc, quand je dis un peu mieux se préparer, c'est se faire une planque au cas où. Voilà. Et on va pouvoir boire la divine essence. Est-ce qu'on la boit maintenant ou pas la divine essence? On va la... Je sais pas. Est-ce qu'on la boit maintenant ou pas la divine essence? Allez, on la boit maintenant. Ah. Allez, c'est parti. Wouch! D'accord. D'accord. Mais en fait, mais c'est moi qui fais toutes ces explosions, quel abruti. Il est où? C'est moi qui fais toutes ces explosions. Je l'ai toujours pas bien vu. Il est là-haut. C'est moi qui ai fait toutes ces explosions parce que j'y tire en même temps. Ok, donc la divine essence, ça peut être sympa, mais... Mais bon, hein. Il a l'air moins vif que l'autre. Il a l'air. J'ai bien dit, il a l'air. Attendez, il y en a plein, il y en a plein, zut. Quel est le bon? Quel est le bon? Je pense que le bon il est au sol en fait. Ça va être dur de... Je vais enlever un petit peu de vie mine de rien. Ah le bon il est là. Tiens prends-toi ça. Va-t'en toi aussi. Ok, on a réussi à les détruire un petit peu. Alors, Dante, où es-tu? T'es là-dedans, je crois. Il est là. Va-t'en, toi. C'est super pratique, cette épée. Aïe. Quand je pense qu'au début, le gros bordel, c'est moi-même, en fait, qui me le suis fait. Heureusement que j'avais la régénération. Sinon, ça aurait pu être plus violent. Oh! Oh, c'était beau, ce que je l'ai mis, là. Par contre, je suis en train de prendre cher. Il faudrait que j'arrive à me débarrasser de ces chauves-souris. Il est toujours là, il est calme. Allez, il reste plus que toi. Pourquoi j'ai pas un arc? Mange-toi ça. On va voir sa vie. C'est bon, je t'ai réveillé. Alors. Viens, viens mon coco. Ok. Bon, ça va, on s'en sort mieux que contre l'autre pour le coup. Va falloir faire attention à notre vie, mais franchement là on a une bonne défense. On lui fait bien mal, notre épée fait vraiment mal. Bon par contre elle s'use mais... C'est le prix à payer. Oui. Voilà, par contre quand on se rate comme ça on n'a pas l'air débile ensuite. Ouais en fait une fois que je le touche... Où est-ce qu'il est? Sa vie est là donc il doit pas être très loin. Je pense qu'il est dans la... Il est là. Alors là on va le bourriner les amis. Mange-toi ça. Ouais, crains bien quand même. Non, ça sert à rien de te cacher. Vas-y, viens. Non. Il est violent quand même. Il est violent. Alors. Oh, je lui fais mal avec mon épée de rubis. Je lui fais mal, mais... Il faut que je me barre. Parce que en étant dans l'obscurité... Ah, je peux plus courir.
je ne peux plus courir. Ok, on lui a quand même bien fait mal. On lui a quand même bien fait mal. Notre épée, elle fait vraiment mal. Ça, il n'y a pas de souci. Notre épée rubis. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Ok, il est là-bas. On va essayer de l'éloigner un petit peu du portail, quand même. Alors. Là, non, là, l'opportunité est trop belle de le blesser. Vas-y. Et ensuite, viens par là. On va voir sa vie. Haha! Pas mal. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais y aller au front au bout d'un moment, mais c'est vrai que là, pas non plus que je prenne trop le risque. Il prend très cher là, on est en train de le violer. Finalement, on était peut-être suffisamment bien stuff cette fois-ci. Il a pas aimé, je crois. Ok, il a disparu. What? Qui c'est eux? Vous sortez d'où? Oh, 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 des pommoneurs. Barrez-vous. C'est quoi comme pommoneur? C'est lesquels? Ah. Ok, c'est juste les régènes. Ok, donc c'est comme les autres qui me... Va-t'en. Ah, faut que j'arrête de faire clic droit. Les autres me donnaient du diamant, et bien eux, ils me donnent des pommes en or. Ça peut être sympa. Par contre, d'où ils sont sortis? C'est lui qui les a appelés? Oui, alors toi... J'aimerais bien... On arrive à le buter avant de retourner au combat. Il lui reste plus beaucoup de vie. C'est jouable. Ce serait bête de gâcher un si bon stuff qui pourrait être amélioré avec ce qu'il va nous looter. Aïe. Ça va, j'encaisse bien quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de lui renvoyer. Allez. Viens. Il est où, Dante? Ah, il a pris vraiment très cher tout à l'heure, il s'est barré. Il est là. Vas-y. Crève. Bon, lui, il est pas très gênant, en fait. Alors. On a eu chaud. On a eu chaud là pour le coup. J'ai cru qu'il allait se retourner contre nous. Heureusement. Ça a été. Combien de temps? Ouais, non, c'est vrai que ça n'a pas d'effet durable. C'est un petit peu dommage. Ah, on pourrait le terminer à l'épée, là. Là, je pense qu'on peut clairement le terminer à l'épée. Et voilà, ça résiste bien, tout ça. Alors, là, il y a son petit sbire. Et lui, il est toujours là-dedans. Alors toi, tu peux continuer à tirer si ça t'amuse. Est-ce qu'on le... J'aimerais bien qu'il sorte de ce trou là, parce que... Le problème, c'est que si moi je descends là-dedans... Je suis un peu dans la merde. Donc j'aimerais bien qu'il sorte de là. Il sort de là. Parce que si on y va... Attendez, on va voir combien de vie il lui reste et selon, on y va, on se prend la pomme. Ouais, ouais, allez, on y va. Oh oui, il est mort, je crois.
Je crois qu'il est mort. Oh oui! Oh le jackpot! Oh! Eh mais j'ai eu tout le... Pourquoi ça je peux pas l'avoir? Pourquoi je peux pas l'avoir ce truc? J'ai eu l'armure célestiale. J'ai eu deux divines essences. Une nouvelle paire de Celestial Boots. Et par contre, je n'arrive pas à avoir le plastron. Qui pourtant est là. Donc, je pense que vous m'en voudrez pas. J'ai l'impression qu'il y a... Attendez. On va tenter une déco reco. Ouais, alors, je crois qu'il y a eu un petit bug. Donc, ce qu'on va faire... vous allez pas m'en vouloir. Hein, mais on va se mettre en créative et le récupérer comme ça. Parce que... C'est ça. Hein. C'est ça. Donc. Zut. Voilà. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est un petit peu le même problème que la dernière fois. Hein. Et donc. Boum. Voilà. On a ça. Je récupère juste ce qui m'a looté et qui a bugué, visiblement. Je ne sais pas. Et là. Oh là 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 là. Ce qu'on est classe. Et donc, on aura réussi à se débarrasser de Dante. Par contre, l'épée. Il m'a pas looté d'épée lui. Bon, mais il m'a looté quand même une grosse partie du stuff célestial, donc ça vaut son pesant de cacahuètes, dira-t-on. Mais c'est parfait, écoutez les amis, c'est vraiment parfait, je suis assez content là. On aura vraiment bien tenu dans ce combat. On l'aura géré, bah, je pense, comme il fallait. Alors finalement, il n'y aura pas eu d'affrontement trop frontal, mais je pensais pas que ma dernière attaque allait l'achever. Si vous vouliez mon avis, je pensais qu'il allait lui rester un petit peu. Et finalement, je crois qu'il est mort par les flammes, en fait. Je crois que c'est ça. Bon. Est-ce qu'il y a son copain, là? Non, je crois qu'il a disparu en même temps. Oh là là, quel carnage. Ouais. Mais bon, au moins, on aura survécu. Ah oui, je prends beaucoup moins cher. Oh, regardez ça. J'ai l'air d'un... En fait, on dirait une tenue de cosmonaute, un peu comme dans Objectif Lune, mais en encore plus stylé. C'est trop stylé. Enfin, bon. On va rentrer tranquillement chez nous. Du coup, ça c'est clair. Et puis, bon, bah, deuxième boss réussi. Et il restera donc le... Qu'est-ce que c'est que ça? Il restera le petit dernier. Qui apparemment, d'après vos conseils et vos commentaires, serait de très loin le plus compliqué. Alors je pense qu'on va peut-être attendre un peu. Attendez un truc. On va pas se quitter tout de suite. J'aimerais vérifier quelque chose. Vu qu'on n'est pas loin du portail, j'aimerais bien vous voir si ça peut s'enchanter ce que j'ai. Que ce soit et l'épée, et finalement... Attendez. Ah, il y a eu un bug à cause de mon changement de dimension. Voilà, j'ai récupéré mes 15 niveaux. Donc on peut se l'enchanter. Bon. Ok, une sharpness 1, et du coup on va s'enchanter le truc célestial. Voilà, on va se mettre des protections 1, comme ça au moins. On est sûr d'être tranquille. Et est-ce que ça aussi? Sharpness 1. Bon, bah voilà. Il me manquera le casque. Je peux peut-être me faire un casque en Agatha. Et ce serait encore plus puissant. Parce que l'agata est plus rare que le saphir, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, ça me permettrait d'avoir un stuff encore plus conséquent. Ce qui serait en soi, bah, ma foi, pas mal. Et on a deux pommes en or. C'est dommage, j'aurais peut-être dû farmer un peu plus les petits gars, là. Mais je sais pas trop comment ils arrivaient, en fait. J'en ai eu à un moment. Mais bon, voilà, au moins... On l'aura géré. Alors c'est vrai que je ne l'aurais pas attaqué de front vraiment, mais... Ouah. De front c'était peut-être un peu suicidaire, hein, surtout que je gardais pas mon stuff si je mourais. Et puis j'ai un peu l'impression que de front, ben voilà, il me mettait dans le noir, je pouvais plus sprinter, c'était un peu suicidaire de faire ça. Alors que là on s'en sera vraiment bien sorti finalement. Et la puissance de cette épée, vraiment, oh là là, elle est assez hallucinante.
Surtout que je mitraillais pas à fond, hein. Je mitraillais pas mal de rafales. Et avec tout ce qu'on a utilisé, vous voyez la durabilité de l'épée, je pense que ça suffira largement pour le dernier boss. Plus donc l'épée en rubis. Et on va juste voir. Il doit me rester de l'agata qui traîne. Attendez, on va poser tout ça. L'agata. J'ai de l'agata, la divine essence. Et l'agata, on peut se faire un casque. Parce que je crois que c'est quand même. Regardez les t-shirts. Non, là quand même. En gros, sans casque, là, je suis aussi puissant, entre guillemets, qu'avec. C'est. On va quand même. Je crois que c'est l'agata. Ouais, l'agata est plus rare. Donc, on va se mettre un casque en agata. Et oh là là, quelle classe! Mon dieu. Bon. Et puis, il va falloir que je voie par rapport à ces histoires-là. Alors, est-ce que. Ouais, je crois que c'est le rubis en fait. J'ai peut-être été un peu bête de dépenser tout mon rubis. Mais je retournerai peut-être à les miner, vous inquiétez pas, pour essayer de voir un petit peu dans le prochain épisode les différents. Voilà, le bâton de feu. Voir peut-être 2-3 petites améliorations. Et puis peut-être que, bah, du coup, le prochain épisode, on s'attaquera directement au dernier boss. Hein, je sais pas. Et si dernier boss il y a, eh bien. Fin de série suivra, je pense. On a l'épisode 7. Ah, on pourra peut-être voir et essayer de faire finir cette série aux alentours. Ouais, l'épisode 10, ça pourrait être bien. Je sais pas, peut-être que le prochain épisode, ce sera un petit peu de la découverte encore de Craft. Épisode 9, ça pourrait être le dernier boss. Et épisode 10, épisode final. Je sais pas, voilà, on s'en va tranquillou. Et puis, je vous annonce un petit peu la suite des événements. Je pense qu'on pourrait faire ça comme ça. Ça pourrait être bien sympa. Encore une fois, je vous l'avais dit, c'était une petite série, pas très longue, comme j'ai déjà pu vous en faire, comme bah, la Cité de la Peur, par exemple. La carte qu'on vous avait fait avec Even. Mais sinon, oui, j'aime bien aussi les petites séries comme ça de temps en temps, c'est apaisant. Et pour cette épée. Et juste hallucinante. Nyon. D'ailleurs, ça, je sais pas ce que ça fout là. Voilà. Plus d'erreur. C'est bon, ça fume plus. J'ai cru que j'avais mis feu à ma maison. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là donc pour cet épisode numéro 7. Merci d'être aussi nombreux à suivre cette série, merci d'être aussi nombreux à me soutenir bah pour tout, pour les vidéos, pour les critiques, des fois un peu injustes comme il y a pu y avoir dans le dernier FK là. Je vous dis plus de 10 000 réactions, je crois, ça m'a juste fait halluciner quand j'ai vu ça et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis bah voilà. Second boss terminé, Dante, qui aura été. Faut pas s'y tromper, il était plus dur que Nyx, je pense sincèrement. Mais on était beaucoup mieux préparé, on était clairement mieux stuff, donc voilà. Et puis alors là, maintenant, on a un stuff quand même de malade. Ouais, je veux pas dire, mais on a un stuff de malade. Et on verra peut-être améliorer tout ça avant l'affrontement du dernier boss, Talos, donc je crois que c'est son nom. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Pensez à laisser un petit pouce vert avant de partir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve donc très bientôt, c'est promis, pour la suite de notre aventure. Allez! Ciao tout le monde!